Tape www.suividecolo Sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On va voir l'écriture des différents types de désintégrations. D'abord, désintégration alpha. Voilà, X, A, Z, donne Y, A', Z', plus HE, 4, 2. Ici, donc, on aura A égale à A' plus 4, Z égale Z' plus 2. Par exemple, RA, le radium, 226, 86, donne le radon, HE42. Donc ici, c'est 84, là c'est 222. Ici, ça c'est RA, c'est le radium. RN, c'est le radon. Et ces élèves ici, il faut savoir que ce sont vraiment les noyaux lourds dont le nombre de masse A est supérieur à 200 qui subissent une radioactivité alpha, 226. D'accord, ce sont vraiment les noyaux lourds dont le nombre de masse est supérieur à 200 qui subissent des radioactivités alpha. D'accord, maintenant, bêta moins, c'est X, A, Z, donne Y, A', Z', plus E0 moins 1. Ils auront A égale à A', Z égale Z' moins 1. Ici, ces élèves, on voit que dans le cas de la radioactivité bêta, le noyau père et le noyau fils sont deux isobars. Ils ont le même nombre de masses A. Donc ici, par exemple, C6-14 donne N7-14 plus l'émission d'un électron. On a bêta plus X A Z donne Y A' Z' plus le positon, émission de positon. Ici on aura A égale à A', Z égale à Z' plus 1. Là aussi, dans la radioactivité bêta plus, le noyau père et le noyau fils sont deux isobars. Par exemple, on aura P15, 30, donne SI, 14, 30, plus un électron. D'accord. Maintenant, nous allons parler de la radioactivité bêta, gamma. Ici, ces élèves, il faut savoir quoi? Il faut savoir que dans la radioactivité bêta, plus, dans la radioactivité alpha et bêta, le noyau père engendré est à l'état excité. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il retournera à ce retour fondamental, il émet ce rayonnement-là que l'on appelle le rayonnement gamma. Donc le rayonnement gamma correspond à l'émission d'un faux photon. C'est-à-dire ici, le noyau fils engendré est à l'état excité. Lorsqu'il retourne à ce retour fondamental, il va émettre un rayonnement gamma. C'est ça. Donc, le rayonnement gamma, ces élèves, est l'émission d'un photon. Ce n'est pas une particule chargée. C'est l'émission d'un photon. D'accord. Maintenant, ici, en voulant vérifier les lois mécaniques, on s'est rendu compte ici que pour la radioactivité alpha, la conservation du vecteur quantique de mouvement est vérifiée. P avant est égal à P après. Mais dans le cas de la radioactivité bêta moins et bêta plus, on s'est rencontré que il n'y a pas de conservation du nombre de... Il n'y a pas de conservation de vecteur quantique de mouvement. Ça veut dire que P avant est supérieur à P après. Et ça n'est pas possible parce que les réactions nucléaires doivent conserver les lois classiques, les lois mécaniques. Conservation du nombre de... Conservation du vecteur quantique de mouvement. Et à l'époque, les physiciens ont émis l'hypothèse selon laquelle il existe deux particules dans la radioactivité bêta moins et bêta plus qui tendent à conserver le vecteur quantique mouvement. Mais à l'époque, ils ne l'ont pas découvert, ils ont émis cette hypothèse-là. Et là, ils disent que dans la radioactivité bêta moins, il y a la formation d'une particule neutre qu'on appelle le neutrino, et là, ils l'appellent l'antineutrino. Donc ici, le neutrino et l'antineutrino permettent de conserver, de participer à la conservation du vecteur quantité de mouvement. P avant égale à P après. Des années plus tard, ils se sont rendus compte que cette hypothèse-là est vérifiée. Ils ont vérifié cette hypothèse. D'accord? C'est parce que là, l'une est appelée neutrino, la neutrino. Et là, il l'appelle l'antineutrino. D'accord. Maintenant, ces élèves, nous allons voir d'autres formes de réaction nucléaire. La réactivité synthèse aux réactions nucléaires spontanées, naturelles, non provoquées. Maintenant, dans un troisième paragraphe, on va étudier deux types de réactions provoquées qu'on appellera la fission et la fission. Maintenant, dans un dernier troisième paragraphe, on va voir les réactions nucléaires provoquées. On va s'intéresser à deux types de réactions nucléaires provoquées. D'abord la fission, ensuite la fission. Donc d'abord, définition. Aussi, cette partie-là est généralement proposée au bagan, la fission. Il faut, c'est quand, c'est classique, on doit maîtriser. D'abord, on va définir avant de voir des exemples. Donc ici, c'est quoi la fission? La fission est une réaction nucléaire au cours de laquelle un noyau lourd d'uranium ou de plutonium, heurté par un neutron, se scinde en deux noyaux légers avec émission de neutrons et dégagement d'énergie nucléaire. Je reprends. La fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd, en parenthèse uranium ou plutonium, fermez la parenthèse, heurté par un neutron, se scinde en deux noyaux légers avec émission de neutrons et dégagement d'énergie. C'est ça la définition. Exemple, petit bien exemple. On va voir exemple. Uranium, on prend l'exemple de l'uranium 235. Parmi les isotopes de l'uranium, c'est l'uranium 235 qui est fissile, qui peut subir une réaction de fission. Il y a l'uranium 234, 235, 238. Mais c'est l'uranium 235 qui est fissile, ça veut dire qui est susceptible de subir une réaction de fission. Plus un neutron se scinde en deux noyaux légers A1, Z1 plus Y2, A2, Z2 plus X neutrons. C'est ça. Plus énergie nucléaire dégagée, libérée, plus delta E. Et ici, ces élèves, X est toujours supérieur ou égal à 2. X est toujours supérieur à 1. Le nombre de noyaux émis est toujours supérieur ou égal à 2. D'accord. Ici, nous avons un noyau 235 heurté par un neutron. Ce noyau-là se scinde à deux noyaux. Le sable ici, A1 et A2 sont inférieurs à 235. Y1 et Y2 sont plus légers que l'uranium. Et il y a toujours expulsion de neutrons et dégagement d'énergie. Mais ces élèves, si on laisse la réaction se dérouler naturellement, si on ne la contrôle pas, on peut aboutir à la formation d'une bombe atomique. Une bombe atomique n'est rien d'autre qu'une réaction de fission non contrôlée. Pourquoi? Parce que ces neutrons-là qui sont émis peuvent attaquer de nouveau les noyaux formés et les scindent en deux, d'autres noyaux plus légers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si une réaction de fission n'est pas contrôlée, on peut aboutir à la formation d'une bombe atomique. Mais dans les centrales nucléaires, cette réaction de fission-là est contrôlée. Dans les centrales nucléaires, on y trouve des réactions de fission. L'énergie libérée, nucléaire libérée, sera convertie en énergie électrique pour alimenter les grandes villes. Par exemple, dans les villes des États-Unis, Los Angeles, Miami, etc., New York, ils ont des centrales nucléaires. Dans les centrales nucléaires, l'énergie nucléaire est contrôlée et va être convertie en énergie électrique. D'accord. Mais nous, nous n'avons pas les moyens d'avoir une centrale nucléaire. Nous nous contentons des centrales à fioul, à de charbon, de gaz pour alimenter nos habitations. Mais dans les pays développés, ils ont leurs centrales nucléaires. Dans les centrales nucléaires, on y effectue des réactions de fission. Mais ces réactions de fission-là, elles sont contrôlées dans les réacteurs nucléaires, dans les piles atomiques, dans les centrales nucléaires. Cette réaction de fission-là est contrôlée. C'est l'énergie nucléaire etc. convertie en une autre forme d'énergie, généralement en énergie électrique. Et cette énergie libérée, delta E, se calcule par la relation. On aura toujours delta E égale à delta MC carré. Et comment calculer delta M? Delta M va être calculé par masse de l'uranium moins masse de Y1 plus masse de Y2 plus X moins 1 fois la masse du neutron. X moins 1. Parce que ici, je vous ai dit que X est toujours supérieur ou égal à 2. On ne peut pas avoir X égal à 1. D'accord? Le nombre de noyaux émis sera toujours supérieur à 1. Le noyau d'uranium est heurté par un neutron, mais il se formera, il va être expulsé plus d'un neutron. Et ici aussi, ces élèves, il faut savoir que ces réactions-là aussi obéissent aux lois de Soddy. Il y a conservation du nombre de masses et conservation du nombre de ça. Ça veut dire quoi? Donc on aura 235 plus 1 égale à A1 plus A2 plus X, X fois 1. On aura 92 plus 0 égale Z1 plus Z2 plus 0. X fois 0, c'est 0. Donc ici, hein, certes, la réaction de fission obéit aussi aux lois de Soddy. D'accord. Maintenant ici, dans le cas d'un noyau d'uranium, delta M que l'on trouve, le dépôt de masse est de l'ordre 0,2U. En calculant delta M pour le cas d'un noyau, vous n'êtes pas loin de 0,2U. 0,214, 0,203, 0,198, 0,190, 0,201, c'est de l'ordre. Si vous avez trouvé 0,5, vous voyez vos calculs. Revoyez vos calculs. Si vous trouvez 1, revoyez vos calculs. C'est de l'ordre de 0,2U. Le défaut de masse ou perte de masse dans le cas des réactions de fission d'un uranium est de l'ordre de 0,2U. Et dans ce cas, si je veux calculer l'énergie libérée, j'aurai delta E égale 0,2 fois 931,5 et j'aurai la valeur en MeV. En MeV, 170C carré. Et si je veux avoir ça en joule, je multiplie par la valeur en MeV par 1,6 10 moins 13 joules. Parce qu'on a 1 MeV égale 1,6 10 moins 13 joules. D'accord. Donc je reprends delta M pour le cas de noyau d'uranium égale de l'ordre 0,2U. C'est-à-dire ici, delta E de l'ordre de, par exemple, 200 MeV. De l'ordre de 200 MeV. Et ici, delta E de l'ordre de 200 MeV. C'est bon. Maintenant, ça c'est pour un noyau. On vous demandait pour une mole. Quelle est l'énergie libérée pour une mole d'uranium? Dans ce cas, donc, on aura E prime égale à N fois delta E. Ça, c'est pour un noyau. 200 MeV, c'est pour un noyau. 2 noyaux, 200 fois 2, 2. 10 noyaux, 10 fois 2. Maintenant, pour une mole, je cherche, pour une mole, il y a N noyaux. Donc, E' égale à N fois delta E. Maintenant, pour N mole d'uranium, E seconde égale à N fois nombre de moles fois delta E. Ça, c'est pour une mole, pour 2 moles, 2 fois ça, pour 10 moles, 10 fois ça, pour N moles, N fois ça. Maintenant, pour une masse M d'uranium, donc on aura, je vais chercher le nombre de moles contenu dans cette masse. C'est masse sur masse molaire fois N sur delta E. Si on vient de calculer l'énergie libérée pour 5 grammes d'uranium, je vais faire 5 fois 6,0, 6,0 de 10 puissance 23 fois delta E fois 200 MeV sur 235, la masse de ce molaire atomique 235, et j'aurai pour, d'accord, c'est comme ça qu'on termine. Pour un noyau, c'est 200. Pour N mol, N fois delta E. Pour une mol, N fois delta E. Pour N mol, N fois nombre de N, nombre de bagages fois delta E. Pour une masse, je convertis, je cherche le nombre de moles continue dans cette masse, nombre égal à masse sur masse. Pour 5 grammes, je remplace M par 5, grand M par 235, nombre de Avogadro par 6,02 10 puissance 23 et delta E par 200 mètres, et je l'énergie en mer. Donc, ces élèves, ça, c'était la fission. Maintenant, nous allons voir, petit 2, la fusion. Maintenant, ces élèves, nous en venons au dernier sous-paragraphe de ce résumé. Petit 2, la fusion. Ces élèves, c'est quoi la fusion? On peut dire que c'est l'opération inverse. C'est lorsque deux noyaux légers s'unissent pour donner un noyau plus lourd. Donc, fusion, comme son nom l'indique, la fusion est une réaction nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Exemple, H1,2 plus H2,1, H1,3 donne HE4,2 plus delta E. D'accord. Ici, nous avons ici deux isotopes du hydrogène. Ça, c'est le deutérium. Ça, c'est le tritium. Et ça, c'est l'hélium. Ici, le deutérium a pour nombre de masse 2, le tritium a pour nombre de masse 3, l'hélium a pour nombre de masse 4. Ici, le nombre de masse de l'hélium est plus grand que le nombre de masse du deutérium et du tritium. Ça veut dire quoi? L'hélium est plus lourd que le tritium et le deutérium. Donc ici aussi, il y a une énergie considérable qui va se dégager. Donc c'est ça qu'on appelle la fission. La fusion est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Maintenant, ces élèves, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, je vais vous proposer des exercices sur réaction nucléaire, même des exercices sur le sucre RC. Prochainement, je vais essayer de vous donner, de vous chercher deux exercices intégrales au moins sur le sucre RC et sur les réactions nucléaires. Des exercices qui ont été proposés dans les baccalauréats antérieurs. Donc, on se donne rendez-vous prochainement pour des exercices sur le sucre RC et sur les réactions nucléaires. La